Le magasin d'appareils électroniques Best Buy de Sherbrooke a soudainement fermé ses portes jeudi. Les employés qui se présentaient le matin pour débuter leur quart de travail ont été accueillis par un gardien de sécurité. L'administration les a ensuite rencontrés un à un pour leur annoncer la nouvelle et leur remettre une indemnisation. J'ai un de mes amis, il me texte, Flo, ben t'as plus de job. J'ai dit, voyons, tu me niaises. Parce que c'est un blagueur, lui, au Best Buy. Fait que j'ai dit, voyons, c'est une vraie blague. J'ai dit, non, non. Fait que là, je dis, OK, là, commence à être un peu sceptique. J'appelle au magasin. Le directeur répond, oui, ben en effet, Florence, malheureusement, mauvaise nouvelle ce matin. Best Buy a fermé. Le fait qu'on l'a su à matin pas mal en même temps que vous, ça fait en sorte que je suis pas nécessairement content de la situation, mais je suis pas non plus triste. Sauf que le fait de perdre une équipe comme Best Buy, c'est ce qui fait le plus mal. Selon plusieurs sources, le géant de l'électronique ferme 15 de ses magasins au Canada, ce qui représente environ 900 mises à pied. Selon un des employés de Sherbrooke, une trentaine d'employés à temps plein sont remerciés ici, ainsi qu'une cinquantaine qui travaillaient à temps partiel. C'est sûr qu'il y a une baisse de clientèle. Je veux pas, on est placé un petit peu loin de la population. C'est sûr qu'il y a moins de clients qui venaient, puis avec l'arrivée d'Internet, le monde magasine beaucoup en ligne, ça diminue un petit peu l'achalandage au niveau de la clientèle, mais sinon, les signes étaient quand même là, ils étaient assez encourageants parce que je veux pas, les chiffres du magasin étaient bien. Si on a tous eu une certaine paye là, pour les mois. Ouais. Pour les mois à venir. Là. Êtes-vous satisfait quand même? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est équitable? Non, ouais, moi je trouve que c'est très équitable. On vous a quand même compensé de façon équitable? Oui. Au niveau de la compagnie, c'est pas qu'est-ce qui manque. Au niveau du soutien, au niveau des employés, c'est assez bien. Le Best Buy, c'est une bonne compagnie. Sauf que le fait qu'ils ont fermé, ça, c'est autre chose. Au niveau des employés, ils ont toujours pris soin de nous. Puis au niveau du salaire aussi, c'est quand même bien. Là. Je vais trouver un autre emploi comme tout le monde. C'est sûr que c'est plate, mais c'est, dans le fond, c'est la vie. Là, ça va continuer. L'administration de la chaîne Best Buy n'avait pas répondu à nos demandes d'interview au moment de diffuser ce reportage. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.